Je bande. Le contrôle du rebond ? Oui, il y a 11 rebonds d'écart et il y a 24 points encaissés avec le rebond. Le reste, quand tu regardes les statistiques, c'est à peu près pareil. Hein. Les pourcentages, à peu près pareil. Bon, on a perdu 2 ballons de plus. Je pense qu'on a fait une passe décisive de plus et tout ça, mais le rebond nous a tués. Bon, si tu perds ton intérieur, bon, comme Chris ne joue pas, entre guillemets, et ben dans ce cas-là, bien sûr qu'il y a il y a un problème. Si alors on ne joue que 5 minutes, en disant, parce que normalement, si on fait un peu plus d'attention, ce qu'on a fait premier carton et deuxième carton, si on pouvait, on a perdu 9 ballons le deuxième carton. Si on ne fait pas ça, on pouvait peut-être finir devant ou égalité, puis et ça change donc. Mais non, ils ont fait. Là, il y a des choses positives aujourd'hui. À mon avis, c'est la dureté, c'est le rebond. Ce qui nous manque, mais bon, après, derrière, bon, pourcentage et tout ça, on a trouvé des tirs ouverts, on a mis, mais on a fait des erreurs. Le problème, c'est qu'on enchaîne les erreurs, par exemple. On fait une interception, on perd le ballon. On fait une erreur défensive, offensive, on rate un tir ouvert. Le joueur qui rate le tir, il est frustré, il repris défensif, il fait une erreur, on encaisse 3 points. Voilà.